Et du coup, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session Metroid Prime sur la chaîne. Bienvenue aux personnes qui arrivent sur le live au passage, je vois qu'il y en a quelques-uns qui nous rejoignent. Là, on est sur un moment critique. Un moment critique parce que, en fait, on est dans une phase où on a envie que ça avance vite et qu'il se passe plein de choses, mais la carte devient tellement grande et mon cerveau n'est tellement pas fait pour ce jeu que tout devient très difficile, même quand c'est simple. Donc voilà, c'est-à-dire que là c'est un jeu d'action dans lequel on demande de réfléchir et mon... Je sais pas, soit je réfléchis, soit j'agis, mais les deux en même temps c'est très compliqué. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est toujours donc un petit peu paumé dans les ruines Chozo, on a bougé cette fois-ci. Mais donc à la recherche pardon, des artefacts, les fameux, mais aussi donc de nouvelles trouvailles côté objets. On vient d'avoir le grappin très important, mais aussi du coup donc notre premier artefact, mais aussi je sais plus quoi, mais c'était bien. Et donc là du coup, eh bien on... Ah oui, si, le rayon X, voilà, qui permet de voir au travers des murs, et donc on comprend qu'il y aura effectivement des endroits assez chauds patates à repérer grâce à ce nouveau viseur, et donc du coup, ben, peut-être de nouvelles découvertes à faire au travers des murs, on verra, ça sent la galère, ça sent l'exploration, ça sent le plaisir et la souffrance. Bref, nous sommes dans Metroid Prime et on continue l'aventure, c'est parti. Donc là, voilà, on vient de toper ça et on va essayer de reprendre un peu nos marques. En avançant, alors j'ai eu bien le flair de voir un peu ce qu'il y avait dans l'eau de ce côté-là. Est-ce qu'il n'y a pas une autre phase éventuellement de choses cachées? Non, parce que là du coup on récupère là où on en était. Très bien, bon, on va monter et ça va bien se passer. Alexis Killer qui demande quand est le prochain live ou vidéo avec Seldel. Bah du coup sur YouTube, au moment où vous aurez cette VOD, elle sera dispo. Mais donc pour le live, ça sera donc Ace Combat et ça sera après-demain soir. Mercredi. Et ce sera donc à partir de 20h. Oula, petit ralenti, c'est la pluie, c'est normal. Petit fail de saut. Ça doit être normal aussi, j'imagine. Hop, allez, on passe en boule. On lui a dit un truc à Samus, elle s'est mise en boule. Excusez-moi. Là, je suis en forme là. C'est compliqué. Dès que j'ai dormi, de toute façon, ça se ressent. Voilà, vous avez toute une session de VOD où je dis quoi de la merde, c'est super. Pas mercredi, vendredi. Ah, j'ai dit mercredi, non, vendredi bien sûr. On est mercredi, c'est ça? C'était le piège? Ok, 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 tout va bien. Et là, 1, 2, 3, Castellino, c'est bon, c'est parti. Très bien. Alors là-bas, là-haut, là-bas, il n'y a rien à découvrir. Là-bas non plus. Sur ma vie, il y a un truc là. Ou pas. D'accord. Ah oui, c'est vrai, on voulait revenir en arrière. J'avais oublié, excusez-moi. Donc oui, c'est ça. Donc là, on est parti pour un aller-retour de l'enfer encore une fois. Très bien. Alors maintenant qu'on a cette vue, qu'est-ce qu'on va en faire par contre? Ça, c'est une vraie question. On va voir. Parce que là, du coup, on a la glace, donc ça, c'est très bien. On a le grappin. Hein. Le grappin, ça permettra de faire plein de choses. On en est conscient et on en est ravi. Mais là, si je fais la carte, il ne m'indique plus rien. Ce qui est très bien, parce que du coup, là, on va devoir fouiller un petit peu. Alors, regardons un peu les zones et posons-nous les bonnes questions. Où est-ce qu'on n'a pas pu avancer? À quel moment on s'est dit « Ah, si j'avais eu le grappin, ma vie serait tellement plus cool !» Je me rappelle d'un endroit où il y avait une espèce de zone avec deux grappins coup sur coup et on était bloqué, on pouvait pas y aller. Alors je rappelle que le jeu est globalement assez bien fait, ce qui veut dire qu'en fait, normalement, hypothétiquement, on pourrait aller vers le prochain ascenseur et ça nous mènerait à la suite. Donc soit on va vers les ruines Chozo, soit on va vers les mines de Fazon. Et je dirais que les ruines Chozo, c'est la solution. Donc en fait, en face, je vous parie que c'est la suite. Calme-toi. On va voir. Je dis peut-être une bêtise, mais attends. Ah, quoique, attendez. Dans les ruines de Fazon, on n'en avait pas besoin parce que du coup, il nous manque le canon à feu, si je dis pas de bêtises. Je crois, hein, c'est... Attends, je vérifie, excusez-moi. C'est important. Les ruines Chozo, ok, très bien. Mine de Fazon, voilà, exactement.
Donc mine de phazon, on avait ça. Mais de toute façon, il nous faut le machin rouge, donc ça sert à rien. Ah mais non! Ah mais non, c'est ça! Attends. Ah oui, c'est là! Oui, c'est ça. Et on voulait aller là et on peut pas. Parce qu'il nous fallait le grappin pour monter. C'est ça. Donc faut aller dans les ruines de Phazon. Donc c'est l'autre. Donc c'est l'autre. Donc. On est là. Et nous on veut aller dans. Dans celui-là. Ok, donc c'est en face. Faites que j'ai raison. Je vous en supplie, faites que j'ai raison. Mais quand tu es comment dire, quand tu es gamin et que tu joues à ce jeu, tu dois mourir intérieurement. Parce que franchement, bah là, concrètement, c'est quand même super difficile, quoi. C'est vraiment vraiment super difficile, je trouve. Bah disons qu'en fait je pense que c'est pas difficile quand t'as le temps. C'est à dire quand tu te dis allez c'est bon, je veux un jeu qui me dure 6 plombes, tu peux passer volontairement 80 heures dans le jeu en t'amusant et tout ça, faire le 100% c'est cool. Mais ouais. Mais c'est vrai que là là du coup ouais, quand vu que moi j'essaie quand même d'avancer un petit peu quoi, par respect pour vous déjà de base, parce que j'ai envie qu'on avance. Puis après je suis plus ce genre de joueur qui aime bien, genre les Final Fantasy mon gros kiff, c'est d'aller jusqu'au bout du jeu. Et au moment où t'as le point de non-retour, tu te mets à fouiller tout ce que t'as raté. Et du coup tu te fais quasiment autant de durée de vie en recherche et quête annexe, mais une fois que t'as tout ce qu'il faut quoi. C'est, je sais pas, chacun ses méthodes hein, c'était vraiment mon kiff à l'époque. Alors juste qu'on aille au bon endroit. On veut le machin vert, donc on veut aller là-haut. Donc à droite. C'est ça. On va tenter. Et après, je sais qu'il y a d'autres écoles, quoi. Il y a les gens qui aiment bien... Attendez, je vais save. Il y a les gens qui aiment bien... faire les contenus quand ils sont dispo et être tout le temps sur stuff. J'ai un pote qui est par exemple, il est vraiment genre le farmer de ouf. J'ai tellement envie de faire ça ici. Je sais que c'est pas bien mais... C'est pour être sûr. Mais ouais, et donc du coup il va farmer, avoir toujours tous les trucs, les armes à fond et tout ça, chaque élément du jeu, enfin ouais. Je crois que tu as du mal tout court avec la carte. Peut-être, ouais. Mais non, mais la pire carte que j'ai vue de ma vie, c'était quand même la carte de Metroid... De... N'importe quoi. De... Comment il s'appelle ? Ce petit jeu indé, là. Nier Automata. Nier Automata, vraiment, la carte, je m'en rappelle, c'était une torture, quoi, pour me repérer par rapport au quête annexe et tout ça. Vraiment, c'était chaud. Hein. Et pourtant, ce qui est terrible, c'est que dans la vraie vie véritable, là où tout ne fonctionne pas sur 18 étages, contrairement à ce jeu-là, par exemple, c'est peut-être ça qui me donne du mal, c'est les étages. Parce que en IRL repérage, je m'en sors de ouf. Hein. Enfin, quand je pars en voyage, je regarde une fois la carte. Et après, tu me dis juste, ouais, faut aller là. Et je me repère facilement, quoi, sans aucun souci. Et je sais pas pourquoi, dans les jeux, dès qu'il y a plusieurs étages, je... Alors, on voudrait aller là-haut. Mais si seulement j'avais été moins con et si seulement j'avais validé ce truc là. Ah, peut-être que je peux gruger en faisant ça. Non. Parce qu'on est bien d'accord qu'en fait là j'aurais dû valider le truc là-haut pour pouvoir ensuite me servir de quelque chose. Genre du grappin. Après oui, le jeu est fait pour qu'on se perde bien sûr, ça c'est... Faut l'entendre. On est d'accord que j'ai fait le boulet là. Hein. Ouais. On est d'accord que je dois me retaper tout le jeu, quoi. Ah, la détresse, la détresse.
Bon, dans le fond, c'est pas non plus un très gros détour. Mais bon, on va le faire quand même du coup. Allez, on descend. Et on passe par là, du coup tant pis. C'est pas grave, quelque part il y a une notion de plaisir dans le fait de revoir les zones qu'on a déjà vues comme ça. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé, tu peux aussi. Voilà, très bien. Alors là c'est pareil, tu n'es pas obligé. Aïe, oh le shoot qui te met. Bon, on rappelle qu'ils ne craignent pas la glace. Ah. Attends, je dois aller où là? Facile, facile. Franchement facile. Je m'attendais à plus simple, à plus compliqué. Mais cassez-vous. Voilà. Easy. Ah merde. Ok. Alors la vraie question c'est, bon endroit ou mauvais endroit? Bon endroit. Ok, très bien. Du coup. Comment on fait pour y aller? Bah alors attends. Excusez-moi. Petit moment d'égarement. Ok. Facile. Mais le pire, c'est qu'on avance avec tout ça. Ça a l'air de rien, mais on avance quand même tranquillement. Ah, c'est vrai. La phase d'ascenseur horrible. Donc, il me semble que quand on a déjà affronté les ennemis d'une zone, on n'est pas obligé de les refaire. J'ai l'impression en tout cas. Caméra qui se réveille. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on est là. Take damage. To save time. Bon là faut que je fasse attention, j'ai plus beaucoup de vie quand même. Donc maintenant qu'on a fait tout ça. Maintenant qu'on a fait tout ça, nous on veut aller. On veut aller où? On veut aller où? Pourquoi je suis venu là déjà? Oui, on va aller là. Donc c'est au-dessus, pile du même côté. Jusque là, c'est facile. Donne-moi de la vie. Ok. Ok. Donc on va aller au-dessus du même côté, on a dit, c'est donc là-bas. Voilà. C'est là qu'on voulait aller? Mais non. Non, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre.
Alors la grue, il me semble qu'on s'en était occupé dans la zone de tout à l'heure. Attends, y'a pas d'ascenseur là? Tout va bien. Tout va bien. Je me repère, je me repère. C'est pas comme si on venait de là il y a à peu près 3 minutes, hein, c'est... Je me repère. Bah, il est où l'ascenseur là? Ah oui, c'est vrai qu'on aurait pu le faire tout à l'heure, oui. Mais je viens pas de là, là? Attends, je viens pas juste exactement de là il y a 2 secondes? Non, 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 non. Non, non, c'est bon. Mais tout se ressent dans cette zone, c'est horrible. Allez. Voilà. Et donc là. Et donc là. C'est là-bas. Ok, on y arrive. Donc il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et les femmes qui ne savent plus trop. Ça doit être là-bas. C'est vrai que là. Là, je me sens un peu Travolta avec le truc où il a l'air complètement paumé, ouais. C'est exactement ça. Ah, 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 la queue le. Non, mais non, tout le monde s'éclate, mais non, pas, mais non, pas nous. Pas nous, tout le monde m'éclate. Tout le monde m'éclate, mais arrêtez. Arrête, arrête, lâche-moi. Lâche-moi la, mais lâche-moi. Mais non, mais non. Mais non, mais arrête. Arrête, je vais crever. Je vais crever, dégage de là. Oh putain! Ah. Ils sont où? Alors là, il m'a puni pour tous les trucs que j'ai zappé, quoi. Il est où? Sinon, je pouvais aussi mettre mon viseur. Mais j'ose pas le faire parce que j'ai peur de me prendre un coup pendant que je change de vue. Dur. Dur. Je vais pas vous mentir, je m'attendais pas à ça. Alors normalement ici, il y avait une save. Hein. Il y a plus une save ici. Cette connerie. Ah, elle est plus loin encore. Ouvre-toi! Mes temps de chargement. Pardon.
Facile. Facile, facile. On reste calme, on reste tranquille. Merci la save. Ok. Très bien. What? Mais ce changement là. Tout ça pour arriver là. Voilà. Et donc là. C'était pas le grappin, c'était le saut. Non. Oh non. Oh non. Attends. 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 Oh, sérieusement? Mais non. Ah! Oh la saloperie! Depuis le début, tu pouvais le faire ici en speedrun de où? Et mercredi. D'accord. Mais du coup, ça veut dire qu'en fait, pour les gens qui maîtrisent le jeu de ouf, tu peux complètement... Collision ! Pardon. Tu peux complètement speedrun, en fait. Ok, très bien. Ok. Calmez-vous. Quelle zone terrible. Très bien. C'est chaud, non? Ok. Ok. Alors là-bas, il y a un missile à choper. Est-ce qu'on peut l'avoir tout de suite ou pas? J'imagine que oui. Est-ce que je le tente tout de suite? Je sais pas. Ah. L'indice.
Qui te dit que c'est carrément pas là où t'étais en train d'aller. Très bien. Bon, vous me dites qu'on le prendra plus tard. Je m'en remets à vous. Attends, est-ce que tu viens sérieusement de me dire que là j'ai fait tout ça pour avoir une porte rouge? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh non. Du coup il faut le canon de feu. Oh, ce moment de désespoir. Oh, ce moment de désespoir. Du coup faut que je retourne en arrière. Attendez, j'en découds avec ces créatures de l'enfer. Hop. Ah ouais, comme dit Vrier Renard là, c'est tristitude. C'est quand tu tombes devant une porte rouge sans avoir l'arme de feu. Et quand ça arrive après peut-être une heure ou deux de recherche, quand t'as le nez dans le brouillard et t'as fait mal, mal, mal. Oh là 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 là. Non, cassez-vous. Non mais... L'irrespect absolu des Metroid. Hein. Voilà. Ah mais non, c'est ça. Attendez. Je tente une réparation. Retour à la save. Tout va bien. Avance, oui. Ah shit. Donc, ce qu'on va faire, pour les gens qui suivent ça en VOD, je suis désolé. C'était long, compliqué, inutile. Et pour les gens qui suivent ça du coup en en live, on continue et on reprend dans quelques instants. A très bientôt pour la suite de ce Metroid Prime. Qui vraiment... On le sent, hein. Le jeu il nous veut du mal. C'est pas un jeu gentil Metroid Prime. C'est pas du tout un jeu gentil. Je le sens pas comme ça en tout cas. Donc voilà, je vous dis à très vite. Et puis du coup, ouais, pour les gens qui voient ça sur YouTube... On va se retrouver, je pense, devant la salle de l'endroit magma machin là pour choper le truc qu'il nous faut et continue. Et allez, des bisous, à très vite.